Alors récemment, le pays a créé un guichet unique où l'on est censé pouvoir créer une entreprise, y compris une entreprise internationale, dans les 48 heures, sans frais particuliers. Hein, les conditions sont tout à fait correctes. Bon, après, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est un petit peu plus long. Mais en tout cas, ça a été très largement porté par le gouvernement et par le président de la République de Djibouti pour favoriser l'investissement des entreprises du pays, la création d'entreprises locales, mais aussi l'implantation d'entreprises étrangères. Et le groupe BRED et la BCIMR ont l'année dernière fait une réunion à Paris où 50 chefs d'entreprise djiboutiens et politiques sont venus pour rencontrer les entreprises françaises pour essayer de se rencontrer et faire des affaires ensemble. Et ça a été une bonne réussite avec l'aide de l'ambassade de France sur place. On peut sur Djibouti créer sa propre entreprise ou sa filiale avec son propre capital sans forcément s'associer à Djiboutien. C'est vraiment un pays très libre dans tous les domaines, hein, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'habillement, par exemple pour les épouses ou les femmes peuvent s'habiller très librement sans que ça choque la population, quoi.